Sanglier. Victoire. Cette carte représente la victoire et le succès. Une grande partie de la mythologie entourant l'importance du sanglier provient des Celtes. Le sanglier est une créature féroce associée au succès dans la bataille, au pouvoir, à la victoire et à la fécondité. La carte du sanglier nous indique qu'un grand triomphe ou un accomplissement est imminent et qu'une période d'épreuve touche à sa fin. C'est une carte qui permet de réaliser son potentiel et d'atteindre ses objectifs. Elle encourage l'autonomisation et la croissance. Le sanglier nous dit que nous sommes sur la bonne voie et que ce chemin nous mènera à la richesse, à l'épanouissement et à la grandeur. Si vous lisez cette carte avec d'autres cartes dans un tirage, elle renforce ces cartes par son optimisme et sa positivité. Les sangliers sont d'excellents fourrageurs, adaptables et polyvalents dans leur régime alimentaire. La carte du sanglier peut également faire référence à la capacité de faire quelque chose à partir de rien et de réussir dans des domaines souvent négligés par les autres. Lecture de l'ombre. En plus d'être considéré comme une créature de pouvoir et de victoire, le sanglier était fortement associé à la bataille et à la guerre par le peuple celte. La carte du sanglier peut indiquer un conflit qui vous empêche de réussir ou un obstacle à surmonter. Correspondance. Éléments, terre. Flore, basilic, laurier, bergamote, hydraste, noix de pécan. Pierre, citrine, oolite, pyrite, pierre de soleil. Travail spécial, attirer le succès, magie de l'argent, nouvel emploi ou promotion, chance et fortune, obtenir un bon résultat dans une décision ou une compétition, rite de fertilité.